never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Donc, bonjour à tous, petite vidéo de présentation de mon 1200 GSR que j'ai remodifié. J'ai rajouté des feux additionnels. J'ai refait la platine de phare avec du covering pour que ça s'accorde avec les feux. J'ai fabriqué le support valise. Bon, j'ai pris les petites valises pour pas avoir un gros volume parce que je suis tout seul. Et les valises supérieures. Voilà. Donc, voilà. C'est des bonnes petites valises, c'est sympa. C'est largement assez vu que j'ai aussi un piqueuse de 32 litres qui vient à l'arrière de la moto. Donc, pour moi tout seul, j'en ai assez vu que j'ai une autre moto avec laquelle on roule à deux. Donc, indispensable, c'est le déflecteur de gaz d'échappement pour pas brûler les valises. Donc, le gros sujet, c'est les feux. Comment brancher les feux sans avoir le système plug and play, BMW ou autre qui coûte la peau du cul? Eh ben, moi, je suis passé directement par la prise allume-cigare en dessous. Là, j'ai pris des câbles pour pouvoir venir alimenter mes relais pour l'ensemble des feux. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous le savez, mais la prise allume-cigare sur les BM, je ne sais pas si c'est la plupart des BM, mais au bout de 7 minutes, l'alimentation complète se coupe. Donc vous mettez vos feux, il n'y a pas de danger, au bout de 7 minutes, ça s'arrêtera et vous pouvez relancer la moto facilement. Donc pour les feux supérieurs, j'ai installé un interrupteur qui est ici. Donc je le mets en route. Je dispose d'une télécommande à distance en plus de l'interrupteur pour mettre les feux en marche, mettre les positions d'urgence, plus un autre mode là, je peux changer. Voilà. Off, là je les éteins. Pour les feux qui serviront de feu anti-brouillard sur la partie basse, ben pour cela j'ai un interrupteur qui est là, qui lui est branché sur la prise allume-cigare, mais le relais, hein, je précise bien, c'est le relais qui est branché sur la prise allume-cigare et pas les feux, puisque c'est le relais qui fait l'ouverture d'alimentation et la sécurisation de l'ensemble de l'éclairage. Voilà ce que ça donne. Je vais vous mettre aussi le phare. Donc là on y voit comme en plein jour, hein, c'est clair, même que ce soit jaune. Et le gros avantage, c'est surtout quand il y a du brouillard, le problème des feux blancs, c'est que ça vous fait un mur. Donc dès que vous avez de la pluie ou que vous avez du brouillard, quand vous mettez en feu blanc, que ce soit du LED ou du feu spécifique blanc, et ben systématiquement, pour avoir eu l'expérience, ça vous forme un mur blanc. Alors que le jaune, lui, est plus pénétrant au niveau du sol et au niveau de la longue distance, c'est nickel. Donc pour le bandeau, je vais commander, je vais le recevoir, hein, en jaune lui aussi. Alors pour le phare, c'est tout con, hein. Ça vous les trouvez pas en jaune, hein. Les plaques de phare, vous les trouvez pas, c'est du covering. Ça va tout seul, hein. Une découpe occupère, vous démontez l'ensemble et tout ça. J'ai pas mis le coffre parce que j'ai coupé l'ensemble des feux, je peux le faire à distance, cela et cela aussi. Voilà. Là, tous mes feux vont s'éteindre. Hop.
voilà. Et ça, sans avoir besoin de dépenser 4, 5 ou 700 euros pour l'ensemble des feux avec le système plus en play. C'est un plus pour ceux qui n'ont pas, si vous n'avez pas de, vous n'avez pas l'habitude de montage électrique sur les motos ou peu importe, en électrique en général, vous ne faites pas. Ne vous lancez pas là-dedans, ça sert à rien. Vous allez causer des codes erreurs sur la moto. Donc, même pour le démontage du carénage, de l'ensemble, il faut quand même un peu de matériel, puis un peu de, comment, dextérité, je dirais, et connaître la moto. Ça, c'est des questions d'origine. Prévus avec les grosses valises. Donc moi j'ai retaillé, j'ai rajouté une plaque avec de l'isolant derrière de façon à la rendre dedans. Donc ça me fait sa sacoche arrière une belle boucle. Voilà, voilà les amis. Allez, passez un bon dimanche et puis ne lâchez rien. Il y a toujours moyen de trouver une solution quand on veut installer des choses. N'hésitez pas, vous m'envoyez un message et je peux vous faire un schéma. Bye.